Sais-tu comment se forme la rose des sables? La rose des sables est une formation géologique composée de divers cristaux qui se forment en fait lorsque l'eau s'évapore dans les déserts ou les zones arides. La formation de la rose des sables commence quand l'eau chargée de minéraux va s'infiltrer dans le sol et au fur et à mesure que l'eau va s'évaporer, les cristaux vont se cristalliser et se déposer en petites couches autour d'un noyau central, souvent un grain de sable ou un objet organique. Et au fil du temps, ces couches vont s'accumuler pour former une structure en forme de rose. Les roses des sables peuvent varier en taille, ça peut aller de quelques centimètres à plusieurs mètres de diamètre, et leur couleur aussi peut varier. Ça peut aller du blanc au jaune, en passant par l'orange et le brun. Tout ça dépend en fait des minéraux qui sont présents. Ces formations géologiques, elles sont souvent recherchées en raison de leur beauté et de leur rareté. Certaines roses des sables sont également considérées comme des objets porte-bonheur, notamment dans la tradition arabe.